Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je vous retrouve avec mon café, c'est la petite pause café du matin, sur fond de bruit de lave-vaisselle. Je viens d'allumer le four pour faire une tarte parce que hier, comme vous voyez, nous sommes le 5 août et hier, c'était le 4, c'était les 4 ans de ma fille Juliette, déjà 4 ans. C'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. En plus, j'ai toujours l'impression que l'été, les enfants grandissent encore davantage. De toutes les activités qu'on fait pendant les vacances, enfin pas l'été, hein, les vacances scolaires je veux dire, je trouve que les enfants font une poussée, c'est dingue, dans leur tête et puis physiquement aussi, c'est assez fou. Donc après ce petit point nostalgie, je vais démarrer une tarte parce que hier j'ai fait des détails de petits sablés sur un naked cake. J'ai fait un naked cake vanille, abricot avec un petit peu de nectarine, c'était vraiment très bon. Et du coup j'ai des abricots à faire, que j'avais acheté des abricots frais. J'ai fait un mélange abricot en boîte parce que les abricots frais qu'on trouve dans le commerce, c'est pas ça niveau goût. J'ai fait un mélange des deux et surtout pour avoir le jus des abricots en boîte. Et bref, j'ai pas mal d'abricots frais qui vont pourrir là, si je les mets pas en confiture. Donc là on a un copain qui est là pour des aménagements qu'on fait dans le jardin, qui aide du coup monsieur. Et du coup bah, la tarte ce sera pour le dessert avec le reste de pâte sablée que j'ai. Et là je vais aller leur porter à boire parce qu'il fait très chaud. Bon, le programme de ma journée c'est que par rapport à ces aménagements, je vais aller porter des cartons à la déchetterie. Je vais peut-être les aider un peu s'ils ont besoin. Alors pour faire le commis, hein, tenir des choses et tout. Et j'ai une paire de boucles d'oreilles à fabriquer, donc j'ai un tour à la poste pour plusieurs commandes. J'ai des colis Vinted à faire, j'ai des choses à ajouter sur Vinted et on va essayer d'avancer tout ça dans la journée puisque mes enfants sont chez leur mamie. Et du coup voilà, c'est une journée sans enfants pour que je puisse avancer tout ça. Voilà, donc je vais vous prendre un petit peu tout au long de la journée avec moi, mais ce sera un vlog un petit peu court. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu, un petit bout de mon été. Malgré tout le jus que les abricots ont libéré et du coup j'ai mis longtemps à cuire la pâte, très savoureuse cette tarte et du coup j'ai encore du mal à décoller avec la digestion. C'est simple, on a fait un resto avec des amis il y a maintenant une semaine et demie et depuis mon ventre, donc c'était un très bon resto, on a pris un super menu, voilà, on s'est fait plaisir côté gastronomie, on a bien mangé et depuis mon ventre je crois ne dégonfle pas, donc c'est clair, on mange quand même un peu de glace, on mange voilà du melon, des fruits et mais bref, depuis ce repas au restaurant j'ai l'impression d'avoir un bidon de 4 mois de grossesse, j'ai le sentiment en tout cas. Faudrait un drainage lymphatique avec Sandrine sur La Rochelle, vous savez, un drainage et un remodelage Renata Franca, là ça diminue bien, ça fait bien dégonfler d'un peu partout. Mais bon, on va s'en passer et il faudrait tout simplement que je me remette un petit peu plus d'activité physique. Mais la météo et les grosses chaleurs, franchement, même en se levant tôt le matin, bah, ça casse en fait, ça casse. J'ai du mal à me lever tôt le matin du fait de ces grosses chaleurs qui sont récurrentes en fait. Donc là, je me mets à mon bureau pour traiter plusieurs commandes et ensuite je file à la poste. Je file aussi au relais colis pour Vinted et je vous reprends après. Petit look du jour rapidement, mais ce look ne vous est pas inconnu puisque je vous ai partagé exactement le même look dans mon dernier lookbook, le lookbook d'été. Bon, regardez pas le bazar un petit peu partout, c'est l'été, on fait des allers-retours, il y a les enfants tout le temps, donc bref, hein, ce ne sont pas des chaussures aux enfants, hein, mais voilà, c'est un petit peu le bazar et puis on se met dans le noir. Et puis voilà, avec la chaleur, on est moins efficace niveau rangement. Donc je porte un pantalon de chez ProMode que vous ne trouverez plus, je crois, mais ils font pas mal de pantalons bariolés, très colorés comme ça, très sympa. Cette blouse Irène de chez Cézanne, j'adore la couleur. Franchement, elle est super cool. Je porte les boucles d'oreilles rose précieuse, donc vous en avez deux modèles comme ça sur ma boutique. Et je porte les boucles d'oreilles qui ont des perles uniquement Goldfield 14 carats. Donc voilà, je suis maquillée très léger comme vous avez vu ce matin et je porte des sandales sine qua non que j'ai acheté chez Chaussea. C'est un peu un style
sandales au rang de chez Hermès, mais il n'y a pas besoin de mettre 450 balles dans une paire de claquettes, quoi, franchement. C'est non, 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 pour avoir la classe, soi-disant, mais non, 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 non. Je porte un sac crochet de chez Mango, collection de l'an dernier. Voilà, je suis partie. Voilà ce que ça donne quand j'ai une course à faire pour monsieur. C'est moins futile, c'est moins fantaisie. Mais j'ai découvert un mot, ébarbage. Voilà, voilà. La poste, c'est fait. Les colis Vinted, c'est fait. J'ai acheté de la lessive aussi, il faut que j'aille la chercher dans mon coffre. Je vais aller voir comment vont les gars dehors. Il fait une cagna pas possible, les pauvres. Je vais aller voir s'ils ont soif. Et je vais vous montrer aussi quelques fleurs de mon jardin. La dernière fois, je vous ai montré ça sur Instagram. Vous avez beaucoup apprécié. Donc, je vais réitérer le truc sur YouTube. J'allume mon ordinateur, et oui, j'avais traité les commandes via mon iPhone et tout, pour éviter d'allumer ce radiateur, parce que ouais, c'est quand même une source de chauffage dans la maison, l'ordinateur. J'ai des mails auxquels il faut que je réponde, puisqu'il y a des marques qui m'ont contacté pour savoir si je voulais travailler avec elles, donc il serait bien que je réponde, parce qu'il y a déjà 2-3 jours, et voilà, avec la boutique, c'est vrai que c'est chaud de pouvoir maintenir ce côté influence, mais il y a plein de trucs intéressants aussi qui se passent parfois par là, et du coup j'aime bien. Je vais aussi faire le montage d'un réel pour Instagram, donc si vous ne me suivez pas encore sur Instagram, rejoignez-moi là-bas, parce que j'aime bien faire des petits montages vidéo, les réels, là, ces petits formats courts qui sont très sympas. Et là ça va être sur le potager. Donc voilà. Rejoignez-moi là-bas si c'est pas encore fait. Petit plaisir de l'été et du goûter. Ce genre de glace, alors ça semble être des glaces pour gamins. Ce sont des glaces à l'eau, mais on adore ça à la maison. Autant mon amoureux et même les enfants du coup. Mais c'est plus léger qu'un Magnum ou un cône. Même si on prend des sorbets, ça fait moins de 50 calories. Et c'est hyper rafraîchissant en fait. C'est du jus de fruits. Bref, c'est des glaces à l'eau quoi. Et ouais, moins de 50 calories. Et c'est rafraîchissant, donc c'est top pour le goûter. J'adore. J'adore celle-ci. C'est une version de Super U. Et elles sont super bonnes. Fait et posté. Alors moi je suis jamais très en avance, j'ai pas un programme de post Instagram vraiment très établi à l'avance, si ce n'est le fait que j'aime bien le côté galerie hyper harmonieuse quand on va sur la galerie Instagram et que il y a quand même des assortiments de couleurs et tout. Je crois que mes enfants rentrent. Je voulais vous montrer vite fait quelques cadeaux que Juliette a reçus, parce que je trouve ça trop mignon. Si vous entendez la machine à laver, j'ai pas peur que ça sèche, parce qu'il est 18h30 et elle va se terminer, mais je vais l'étendre et à 20h, même si elle passe la nuit dehors, elle sera sèche demain matin, quoi. Il fait tellement chaud, je dégouline. J'ai mis un tablier parce que j'allais me mettre au fourneau, je vais faire des courgettes farcies, puisque j'ai de la viande farcie à faire, et je vais faire des courgettes parce que ça déborde. Qu'est-ce que je disais? Sur fond d'histoire de l'Uni, je vais vous montrer comment j'assaisonne un petit peu mes courgettes farcies. Dans mon bol de mixage, je mets deux tartines de pain de mie, je mets du persil frais, j'ai pas d'oignon, donc j'ai mis uniquement de l'ail, j'ai mis du sel, du poivre, plusieurs tomates et la chair de mes courgettes. Donc j'ai de la farce où j'ai rajouté du persil surgelé, et voyez que j'ai vidé mes courgettes. Alors les pépins, je les ai mis au compost, et j'ai récupéré de la chair pour mixer au mélange. Donc là je vais mixer tout ça et je viendrai le mélanger à ma chair à saucisse. Ah oui, j'ai mis un œuf aussi pour agir en tant que liant dans la farce. Je rajoute aussi la fin d'une boîte de concentré de tomate aussi, pour pas que ça se perde. Je me dis que ça ira très bien là-dedans. Alors, la grande joie de ma fille qui est fan des bébés, et du coup des lapins sylvaniennes, c'est qu'elle a eu, en complément du coup de la grande maison de sylvaniennes qu'elle possède déjà, elle possède du coup cette grande maison avec extension, avec le petit bus, et elle a une famille hérisson aussi. Elle a eu des petits bébés comme ça qui vont avec cette chambre à coucher, salle de jeu. Elle est ravie d'avoir eu des petits personnages bébés. Bon, l'inconvénient, c'est que maintenant, elle demande la famille, en fait. Je voulais des éléments extérieurs, donc elle a eu ce moulin, qui est un petit truc de jeu, avec le petit tape-cul, là, et puis le toboggan. Et du coup, cette grande roue qui peut prendre des passagers, et là aussi, un petit bébé animal était offert, peut-être
peut-être celui-ci, je sais pas. Bref, ma fille était folle de joie, en plus des autres petits trucs qu'elle a reçus. Voilà, voilà, voilà. Je vais vous laisser là, je pense, avant de dégouliner. C'est une journée assez speed aujourd'hui, avec plein de petits trucs à faire, à mettre bout à bout, malgré la chaleur. J'espère que quand même ce moment en ma compagnie vous aura plu. Je vous laisse avec une petite image rapide de mes courgettes farcies qui sont cuites. On va passer à table. La soirée va s'arrêter là pour moi, et donc le vlog pour vous. Je vous remercie de me suivre. Je pense qu'il y aura un prochain vlog dimanche prochain sur ma chaîne pour vous dire au revoir pour deux petites semaines. Je vous fais des grosses je vous invite à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait, à me suivre sur Instagram que je ne quitte jamais vraiment, et je vous fais des grosses bises. À bientôt.